si on est manifestant ou si on est des gangsters ou si on est des terroristes, on ne sait plus. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas une manifestation normale. On devient des punching balls avec ces gens-là. On devient ça. Et ça fait très peur. Je vous assure que moi, ça fait 2 ans que je fais des manifestations. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Ils ont sorti tous les gendarmes de toutes les casernes de France. C'est pas possible autrement. Et il y en a partout. Bah, vous pouvez constater vous-même, hein, de toute façon. J'ai jamais vu autant d'uniformes bleus en France. Je n'ai jamais vu autant. C'est pas croyable. Et je vais vous dire qu'on a un ami qui a été coupé de l'autre côté. On ne sait pas où il est. Et c'est une personne âgée qui a des problèmes de santé. On ne sait pas où il est. Et malgré tout ça, est-ce que vous pensez lâcher, parvenir samedi prochain? Vous rigolez là? Moi lâcher? Ah non, jamais de la vie je lâcherai. Jamais de lâcher. Parce que si on lâche maintenant, ils ont tout gagné. Non, c'est eux les fêlés, c'est eux les mauvais. Nous, on n'est que des gens sympas. On est des gens qu'on n'a plus. On est pacifique. Et puis, c'est pas ça. C'est quand vous demandez à une personne de travailler 8 à 10 heures par jour et on lui dit: ah, mais vous n'allez plus au restaurant, vous n'allez pas voir vos amis, vous ne voyez plus vos petits-enfants, vous dites: vous faites Noël, ma nouvelle année, niette. Non, mais c'est quoi ce pays? Moi, j'appelle ça de la dictature. Maintenant, si eux, les personnes qui ne sont pas d'accord, ben, ils n'ont qu'à venir voir sur place ce qu'il en est. Parce que les gens, c'est vrai, ils restent chez eux. Ah oui, mais CNews, ah oui, mais BFM TV. Mais non, mais venez sur place. Venez, mes gens, venez voir ce qui se passe. Venez voir comment se comportent les forces de l'ordre. Quand vous voyez les CRS qui foncent, ben, je peux vous dire que ça vous les jetons. Hein. Pourtant, j'ai de l'âge, j'ai vu pas mal de choses. Mais alors là, c'est la première fois que j'ai vu ça. Hein. Nous, on est pacifiques. On vient demander de la justice sociale, de la justice fiscale. En attendant, il y a de plus en plus les riches, ils sont de plus en plus riches, et nous, les pauvres, on s'appauvrit de plus en plus. On était d'une classe moyenne. Je peux vous dire que maintenant, on regarde tout ce qu'on met dans les assiettes. Hein. Il y a des amis à moi qui n'ont rien. Le 15 du mois, du 10 du mois, ils n'ont plus rien. C'est pas logique. Ils ont travaillé toute une vie. Les personnes âgées qui sont retraitées, ils ont travaillé toute une vie. Vous faites quoi après quand vous n'avez rien le 10 du mois? Les 15 autres jours, vous restez à pleurer devant votre télévision? Non, il faut sortir. Mais le jeudi à la Transantenne, il faut sortir. Dites votre mécontentement pacifiquement, mais dites votre mécontentement à ce gouvernement. Parce qu'ils sont fêlés, ils marchent sur la tête là-haut. Hein. Je ne sais pas ce qu'ils prennent comme drogue le matin, mais je peux vous dire que ce n'est pas de la bonne, hein, je vous le dis. Hein, moi. Pour l'instant, c'est pas une manif. On est plus cadré par un cortège policier qui nous accompagne vers République. Là, clairement, quand on voit ça, on a l'impression d'être dans un état policier. Être policier, c'est vraiment... Mais merci, vous êtes des héros. Défendez des lois, liberticides, autoritaires. Si t'as rien à te reprocher, pourquoi est-ce que ça t'embête d'être filmé? Pourquoi la police ne veut pas te filmer, du coup? Mais il n'y a pas que la peur, hein. Il y a toute la répression, toute la discrimination politique dont on fait face. Ben, ce qui serait bien, c'est que tout le monde vienne en noir, du coup. Comme ça, ils pourraient pas attaquer tout le monde. Ils sont pas si nombreux. Nous allons faire usage de la force.